Ah bah voilà, là j'ai du son. Je peux jouer? Non? Ah non, c'est juste l'écran titre. Bon. Ça y est, je peux jouer maintenant. Yeah Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette aventure découverte sur Inside. Oui, j'ai toujours un train de retard parce qu'il est sorti depuis un moment, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Donc, on va le découvrir. Je vais le découvrir en même temps en live. Pour ceux qui sont vraiment au fond des cavernes et qui n'ont pas suivi, c'est fait par les développeurs de Limbo. Juste avant de commencer, je dois vous dire un petit mot. J'avais peur de ce Inside, que ce soit juste un espèce de Limbo X plus Alpha. Que ce soit juste un Limbo X plus Alpha en fait, et qu'ils ont juste repris la même recette, ils ont changé 2-3 petits trucs, ils ont amélioré 2-3 choses, et ils te rebalancent le même jeu avec un léger swap de couleurs, swap scénaristique. J'avais peur de ça en fait. Tout le monde dit, mais non, mais c'est pas ça, mais non, c'est pas ça, vas-y, vas-y. Je fais, bon, okay, ouais. Donc là, j'ai trouvé le temps d'y aller là. J'ai trouvé le temps, et puis on va se lancer sur ce Limbo 2, sur ce Inside. Et le problème? Et le problème. Comment dire, le problème c'est. J'ai perdu mon fil. Ça va me revenir. C'était quoi le problème? Oh putain, la sortie express du cerveau. Mais t'es en vacances, Gesh? Oui, je suis en vacances. Je me marie le 16 septembre et je suis en vacances un peu avant, le temps de préparer, les faire les préparatifs et tout ça. Mais j'ai quand même aussi pas mal de temps libre, donc j'en profite. Attends, mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas possible! Limbo, Limbo X plus Alpha. Il faut le faire quand même. Si vous savez de quoi je voulais parler, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je vous répondrai en commentaire sur YouTube ou sur Twitch. Mais sinon, on verra. Alors, déjà, premier aspect graphique, déjà par rapport à Limbo, il y a de la couleur. Il y a de la couleur et de la profondeur. Sur Limbo, c'est vraiment un plan 2D classique. Là, il y a vraiment de la couleur et de la profondeur. Il va m'écraser, ce con. Non, c'est bon. Donc, on joue à un gamin en t-shirt rouge. Ça va être le rescapé de la liste de Schindler. Et on va voir on va voir ce que ce jeu a proposé. Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sauter? Est-ce que je peux sortir? Oui, je peux sauter. Ok. Sauter! Raté, je suis mort. Oh, bien, bien. Oula, d'accord. Donc, il y a des humains avec des masques. J'imagine que c'est comme Limbo, c'est un die and retry, il va y avoir pas mal de puzzles game à gauche à droite. En fait, voilà, c'est ça, il y a aussi ça, j'avais peur que ce soit vraiment une redite de Limbo, et que l'éditeur, en surfant sur le succès de Limbo, n'ait pas su prendre une prise de risque et faire à peu près autre chose, mais vraiment de faire une redite de Limbo classique. Et là, je crois que je peux pousser, je peux... Ah d'accord, je peux pousser en deuxième plan. Ah bien, faut le savoir, ok. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo, c'est de pousser en deuxième plan. Pas de musique, de l'ambiance pure, ce qui est pas plus mal, hein, ce qui est vraiment pas plus mal. Pour s'immerger dans l'ambiance, c'est vraiment pas plus mal. N'hésitez pas à me dire hein, si le son est trop fort par rapport au jeu ou s'il est trop faible, je sais pas si je peux faire quelque chose, mais on verra. J'aime bien aussi le fait qu'on appuie sur A, start, le jeu démarre. Il n'y a pas d'option, d'écran titre, voilà, c'est le jeu démarre. On est directement plongé dans l'expérience. Ça, c'est vraiment cool. Pas de HUD non plus. Ça, c'est vraiment cool. Ok, il va falloir vraiment apprendre à regarder en deuxième plan. Ça va trop vite, ça va trop vite! Ah! Vas-y, bon. Salut Phoenix! Eh dis donc toi Phoenix en fait, toi qui disais ouais je fais pas j'aime pas les levels les ninjas, tu fais quand même du level 2 hein. J'ai vu ton replay sur The Wreck et tout ça. Oh merde, y'a un chien qui me court! Ah! Vite! Vite! Oh putain! Saleté de Tefs! Saute! Wow! Oh là là, il m'a pris quelques fibres du jean, hein, la vache. Ok, déjà premier coup de pression là, comme ça, au calme. J'aime bien le côté aspect vraiment 3D, on a vraiment une profondeur et l'aspect 3D c'est un peu ce qui est bien sur Limbo, c'était vraiment un aspect 2D, mais l'aspect 3D
travaillent beaucoup, beaucoup sur l'immersion. Même si on est sur un plan 2D, mais d'avoir une immersion en 3D joue beaucoup, beaucoup. Surtout que c'est une espèce de 3D un peu polygoné, presque non texturé, qui est vraiment très, 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 très simple. Un petit peu, mais c'est pour le principe de finir une level 3 dans ma vie. Moi aussi, un jour, je finirai une level 3. Déjà que j'arrive à faire du level 2 de plus en plus souvent. Décalage par contre entre son et image. Il y a toujours un décalage entre le son de ma voix et le son de la caméra. Hey, mais tu rentres carrément dessus! J'imagine que c'est scripté. Ça, c'est l'application Twitch de la Xbox. Il y a toujours un décalage entre ma voix et ma webcam. Mais normalement, le son, il est correct. Le son du jeu n'est pas décalé normalement. J'ai un sprint, j'ai quelque chose? Ah, quand je saute, il accélère un peu. Ah, je vais me cacher en dessous là. Ouh, c'était juste. Alors pourquoi ils me recherchent les gens? On est en train de fuir, on sait pas pourquoi non plus. Donc ça fait partie des jeux puzzle game narratif en fait. C'est un mix de puzzle game et de narration quoi. Il faut que j'attende qu'ils y ferment les lumières, non? Là, ils vont me voir, ils vont me griller direct, non? Non? Ah, putain, ils m'ont vu! Ils m'ont vu! Oh putain, avec le. Oh non, 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 non! Oh merde! Non! Ah, oh, carrément! Carrément, ils cherchent à me. D'accord, c'est ok. Je suis un gamin, mais non, non, c'est direct, ils t'étouffent dans les WC. Ah la vache! Alors attends, il y a une petite jump là. À performer. Yes. Je suis Tomb Raider, moi, qu'est-ce que tu veux? Oh là. Ah, mais il y a encore l'autre! Eh, mais c'est des psychopathes! C'est Get Carter le. Non, c'est attrape-moi si tu peux, quoi, le machin. Sauter! Ah, par contre. Waouh, carrément, ils me tirent dessus. Par contre, ils ont peur de sauter, ça va. Moi, j'ai pas peur de sauter, mais eux, ils ont peur de sauter. C'est l'adrénaline de la survie quand ils ont peur de sauter. Oh putain, il y a les Kleps maintenant. Au secours! Le saut de la foi! Oh, ça va, c'est de l'eau. Oh, on peut nager maintenant! Excellent, on peut nager. Alors, est-ce qu'on a de l'air sous l'eau? Salut, Jesse! Oh merde! Oh putain, c'est là, il tire. Ah, ils m'ont eu! Ah putain, ils visent bien, d'accord, c'est one shot die. Ok, on reprend où? Par contre, ils devraient mettre des checkpoints comme sur Trial. Ch'ting, 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 pour savoir où est-ce qu'on va reprendre. On va reprendre là. Bon, bah. On va foncer au fond de l'eau, quoi. Oh, arrête! Mais moi, je tiens plus longtemps sous la flotte, quoi. Sérieux? Est-ce que je peux accélérer sous l'eau? Est-ce que je peux nager plus vite? Comment je sais que j'ai plus d'air? Ah, ça va. Et s'il y a un coffre trésor, une machine gun au fond, je fais quoi? Non, je peux pas. Eh ben, il s'annonce conceptuel, cette découverte, hein, putain. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de frissons dès la première demi-heure. Oh, il y a des cochons qui sont morts. Pauvre bacon de mort. C'est du bacon gâché, quoi, sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont contre les cochons? Mais je vais attraper une pneumonie. Je me rappelle même plus du scénario du premier Limbo. Pourquoi on était dans les mondes des ténèbres, on sauvait sa copine ou je me rappelle même plus du scénario du premier Limbo. Ah ouais, c'est du maïs, hein. Je sais que le maïs c'est grand, mais là il est transgénique le maïs là. Au moins ce qui est bien sur un plan 2D, c'est que tu sais où il faut aller. Et un peu moins perdu. Et là, il y a Mel Gibson qui nous chope. T'es avec Saint-Thérèse, je vais te foutre dans l'eau! Oh, il y avait un petit poussin. Non? Ah oui, il y a un petit poussin. Coucou, Poussinou. J'ai qu'un bouton, hein, j'ai pas d'autres boutons. Ah, mais il y a plein de poussins. J'ai que le H, je peux que sauter. En tout cas, le jeu est beau. Ouais, le jeu est très beau. Hein. Il est très esthétique. Il est voilà. Il n'y a pas besoin d'une claque graphique pour qu'un jeu soit beau. Faut juste qu'il soit cohérent avec lui-même et qu'il a une patte artistique.
Propre. Voilà, c'est propre. T'as déjà rattrapé des secrets, donc il y a des secrets dans le jeu. Oui, je savais pas qu'il y avait des secrets dans le jeu. C'est vraiment la découverte pure et simple, hein, donc. Il y en a des poussins. Et pourquoi tu tues des cochons? Les cochons, c'est la vie, le gras, c'est la vie, quoi, ça donne du bacon. Le cochon, c'est le seul instrument sur Terre qui transforme l'herbe en bacon. Réfléchissez à ça. C'est un animal sain. C'est un animal sain. Pas sain au terme sain, il est propre sur lui. Non, c'est un animal sain avec un T à la fin. Faut le bénir, faut le respecter. Pas besoin d'apaiser pour faire un groupe. Tourner un jeu très beau. Ah, attention, il y a un truc à faire. Ah, X, c'est le bouton d'action. Ok. Alors. Ok. Peut-être démarrer le moteur avant alors. Me suis toujours demandé pourquoi ces vieux moteurs, on est obligé de tirer 3-4 fois pour qu'ils démarrent, quoi. Bah! Non, j'imagine que ça souffle sur la. J'ai pas assez de puissance, et ça. Mokey. Mokey. Tu peux me donner un peu plus de puissance? Non? J'ai dû rater un truc peut-être. On va revenir en arrière. Coucou les poussins! Ah, j'ai une idée dans la tête, mais c'est dégueulasse! Tu vas quand même pas m'en servir comme projectile? C'est dégueulasse si c'est ça! Ah, c'est ça! Faut s'en servir comme projectile, mais c'est horrible! C'est horrible, on bosse pour KFC ou quoi? Elle est où la PETA, la Ligue Protectrice des Animaux là? Elle a pas gueulé sur ce jeu pour ce passage? Coucou les petits poussins, je vous aime! Voilà, putain, mais c'est balèze! En plus, ils t'aiment, ils te suivent! Ils savent pas ce que tu leur réserves! Encore cours un peu plus vite quoi mon garçon, là t'es un peu à la traîne. Allez, on va Dysonner les poussins. Pa, strike. Wouhou. Ah, ils sont vivants. Ah, ouf, ils sont vivants. Ce serait marrant qu'ils sortent en nugget ou en sang, c'est avec juste complètement mort. Beaucoup plus philosophique et beaucoup plus dramatique, c'est-à-dire qu'on serait obligé de sacrifier des vies pour s'ouvrir notre chemin. Mais bon, ils ont été quand même gentils les développeurs en les laissant en vie. Parce que, à mon avis, les poussins qui passent dans un truc tube comme ça, à mon avis, ils meurent, les poussins. Mais bon. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus sanglant. Ah, par contre, je vais me servir des cochons comme amorti. Je suis Ezio di Auditore. Bon, je sais pas ce qu'ils ont contre les cochons dans ce pays. Ils ont peut-être une maladie. Bon, ça va, pour l'instant, les puzzles sont administratifs, quoi. C'est un meilleur Mirror's Edge que Mirror's Edge, ce jeu, n'empêche. Ah, il y a un petit ver de terre. Ah oui, donc c'est ça, ils ont une maladie, on dirait, les cochons. Ah! Me fait peur! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah! Non! Non! Salaud! Ok? Et je fais quoi, moi?
Bouya! I'm a toreador, corrida, yeah! Hasta la mañana! Wouhou! Défonce-moi la porte! Ah oui, je suis trop beau! Je suis trop bon! Oh la vache, calme! Calme! Mais c'est bon, je t'ai rien fait! Elle est dans le four! Oh la vache! Ah, c'est pas par là. Oh la vache! Ah, on peut monter dans les escaliers pour changer de plan, j'imagine, non? Non? Non, ok. Faut peut-être que j'apprête. Oh, je vais me servir du cochon? Non? Ah, c'est dégueulasse! Je l'ai libéré? J'ai fait quoi? Il me remercie maintenant? Alors, recule, s'il te plaît. Allez, recule. Non, c'est bon, je vais pas te mettre dans un. Je vais pas te transformer en bacon, attends. J'ai juste besoin d'attraper la lampe là. D'accord? C'est quoi? C'est un truc pour se coiffer? Nanana. C'est un hommage à Michael Jackson? Oh, ça, c'est... oh, il y en a un qui est tombé derrière. Ah, quand je marche, je contrôle les humains derrière. Donc les humains auraient des... Les humains auraient des... Des espèces de vers de terre dans le cul. Et ça ferait en sorte que... Ça ferait en sorte que... qu'ils peuvent être contrôlés cérébralement par cette machine. Mais ça veut dire que le gamin est au courant de ce qui se passe dans ce monde alors, puisqu'il sait que, à quoi sert ce machin. Et là je fais quoi? J'abandonne les mecs à leur sort? Ou je peux les faire passer? Eh, ça fait vraiment thriller. This is thriller night. Na. This is a thriller night. Ok. Un jeu sponsorisé par Michael Jackson. Ah, je croyais que j'allais attraper la branche. Les animations sont très très chouettes, hein, les animations. Oh, du soleil, de la couleur, ça c'est cool. Ça c'est cool, donc il fait pas tout le temps nuit. Donc il fait pas tout le temps nuit. L'ambiance est génialissime. Je sais pas si vous l'entendez, l'ambiance du jeu, elle est génialissime. Donc ils font du trafic d'êtres humains avec un ver de terre dans le cul. Et j'imagine que les mecs avec le masque contrôlent justement les êtres humains avec un ver de terre dans le cul. Ah merde, quand je recule, ça recule aussi. Ah, c'est le maxi. J'attrape comment, moi, maintenant? Ah merde, il y avait un bouton, je crois, ici. J'ai l'impression. Ah, oh, fuck! Ah non. Je peux pas choper le bouton? Ok, ça me fait une belle jambe, moi. Parce que je peux pas l'attraper, de toute façon. Je parie qu'il est juste trop haut pour ce que c'est. Oh, ça a pas l'air si haut que ça. Ah, oh. Ah, mais non, c'est bon. Alors, quoi ça servait que je... Aucune idée. On verra ça après. Allez, hop! Fais l'amour à la corde. Ah oui, un coup de rein. Un coup de rein, ah oui, c'est pas mal ça, ah oui, oui, vas-y, comme ça, ah oui, deuxième coup de rein, ah oui, oui, c'est pas mal ça. Il est pas mauvais ce petit, il a de l'avenir.
Encore des poussins? Ou des bébés oiseaux? Ah, non, des bébés oiseaux. Ok. Ce petit vent là, il n'y a pas besoin de musique pour créer une ambiance, pour créer un univers très très bien. Juste des sons hyper réalistes. Et oula, y a rien là-bas. D'accord, c'est à quoi tu sers? Ah ah, ça va me faire un passage. Oh le bruit! Ça me paraît loin quand même, hein. On va essayer, mais. Ah non, ça va, il a quand même une sacrée détente, hein, le petit haut. Ok, ça va m'ouvrir un passage en bas. Par contre, tu te demandes, mais. Ah, je m'attendais pas à ça! Tu demandes qui a mis un coffre. Je suis mort? Je suis mort. Oh les salauds! Bien joué les mecs, bien joué. Par contre, je me demande qui a mis un coffre comme ça au bout d'une corde ici, dans la cohérence de l'univers. Oh le salaud! Mais t'as quasiment pas de temps quoi, faut vraiment enchaîner. C'est du puzzle game basique en fait, qui est un peu mal intégré dans l'univers du jeu. Parce que tu dis, mais qui aurait foutu un coffre ici en équilibre, ça sert à rien. Allez, salaud. Mais bon, après ça reste un jeu aussi! Et c'est assez inventif dans le piège puzzlesque. Oh là, ouh, j'ai cru que j'allais mourir. Non, c'est bon. Alors, on continue dans le trou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette... Ah, je peux faire quelque chose? Ah, mais il me fait peur ce truc! Je sais même pas ce que c'était. Ah, un succès, l'arme à gauche. Ok. Plus dur sera la chute. Ok, je suis... Ok. Bon, j'imagine qu'il y a des humains qui sont cachés là-bas. Allez, chef ça! Ils ont les humains. Bien. Ah non, je croyais qu'ils allaient se rencontrer. Ah, faut que les deux marchent sur la planche. Ah, ok, faut que les deux marchent sur la planche. Ok. Ok. Et je fais comment moi? Ils se sont rapprochés là ou pas? Est-ce qu'il y en a un, ça se trouve, il tape dans le mur là-bas et il ressort un peu plus tôt, non? Mais bordel! Attends, et à quoi tu sers toi? Ah bah voilà! Saloperie! Putain, sérieux, on m'appelle sur le téléphone fixe. Un truc qui sert à rien. Mais non! Un fixe, n'y a nicht. Ah, j'entends mon cœur battre dans le casque. Excellent, j'entends mon cœur en vibration battre dans le casque. Vraiment comme si j'étais à l'intérieur du bonhomme. Excellent, j'avais pas remarqué encore. Ça par contre vous l'entendrez pas en vidéo. Faut vraiment entendre ces vibrations au casque. Oula.
Tiens, saute. Donc il y a bien un contrôle des humains par une caste supérieure. Ah non, non. Oh, j'ai cru que j'allais glisser. Ah putain, la vache. N'empêche, c'est pas des jumpscares, mais le level design, il est vachement intéressant au moment où tu commences à dire, bon, bah, ça va, il y a juste à marcher, c'est là où il y a quelque chose qui arrive. Donc, level design, très très bien foutu de ce côté-là. Ah oui, non, il a rien à voir avec Limbo, hein, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a rien à voir avec Limbo. C'est vraiment, il a vraiment son univers à lui, il a juste repris à peu près le gameplay. Et même au-delà de ça, on n'a vraiment pas l'impression que c'est presque le gameplay de Limbo, quoi. C'est vraiment deux jeux à part entière. Il y a vraiment un sacré, sacré taf dessus. Comme quoi, j'avais peur pour rien. Et ça, c'est cool. J'aime bien quand le jeu me donne raison. Quand j'ai des a priori et que le jeu me donne tort, je veux dire. Ah, intelligence dans le level design, pas mal. Pas mal. Des nouvelles idées rafraîchissantes dans le puzzle game. Putain, m'a fait peur! Pourquoi je l'ai allumé? À quoi ça m'a servi de l'allumer? J'aurais pu passer tranquillement. Ah! Ah d'accord, c'est un micromètre de lumière et je me fais choper. Attends, j'ai passé sans l'allumer, ça sert à quoi? Ah oui, il n'y a pas de jus dans l'ascenseur, c'est ça? D'accord. Par contre, ils ont abusé sur le... Oh putain! Non, ça va, c'est moins compliqué que ce que j'aurais cru. Vite! C'est bon. Ouh! Oh, le cœur il bat là, le cœur il bat. Coucou, oiseau! Qui a fait caca sur la branche, sur la planche. Saloperie, non, je mets. Non, non! Bah si. Aïe! Merde, je fais quoi maintenant? D'accord. Ah, terrible, il a peur, il jette des coups d'œil, savoir s'il est épié et il a peur. Hey, mais il est vraiment intelligent ce garçon, il est vraiment débrouillard. Hein. Oh, j'ai le cœur qui bat, mais à 100% la chamade. Pas le mien, mais le cœur du gamin que j'entends dans le casque. Oh, putain, je vais devoir sauter après. Ça doit être un test pour savoir si le ver de terre dans le cul marche bien. Apparemment, j'ai des acheteurs derrière qui sont en train de regarder la marchandise. Et... Ah non, pourquoi j'ai sauté? D'accord. Donc, esclaves défectueux. Toujours pas compris ce qu'ils font, mais en gros, c'est ça.
Oh là, j'ai sauté un peu trop tôt, mais ça passe. Ah putain, maintenant faut se tourner à gauche. Oh, c'était serré. Il y a un petit temps de latence de se retourner à gauche. Oh là là. Beau gosse. Le cœur du gamin, il est prêt à exploser, quoi. J'imagine la tension, le stress du gamin, Oh, c'est horrible comme sensation. Ah, mais le chien sent quelque chose, par contre. Il sent quelque chose de pas normal. Ah non! Je fais quoi moi? Ah! Ah, il m'a déboîté! Je vais me barrer? Ah, c'est bon, je peux me barrer en fait. Ah, yeah, c'était beau! C'était beau, c'était magnifique! Oh, la tension du chien qui te chope et tout pour sauter. Oh, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Merde, il y a d'autres chiens. Oh putain! Et les chiens, par contre, ils courent en 3D. Ah, naze, ça va être trop court! Ah, fais chier. Ah, j'ai perdu du temps, je pense. Ah, ouais, puis il te fait pas chier, hein. Il te casse la bruque, il te le casse la nuque et il te démonte. Ah merde, j'aurais pas dû m'arrêter! Ah, 2 secondes là. Ah si, si! Ça l'a bloqué un peu. Top! Attrape ça! Bah, heureusement qu'il y avait un travailleur juste au-dessus, hein, la vache! Bah, alors, du coup, ils en font quoi? Ils en font des esclaves? La caste supérieure fait des esclaves de la caste inférieure? Des esclaves robotiques? Oh. Oh non. Je vois ce qu'il faut faire. Mais bon, c'est un peu débile leur truc parce que pour contrôler des esclaves, il faut... Et tu repasses avec un cérébro dessus. Donc en fait, faut un deuxième esclave pour contrôler le premier esclave, c'est un peu débile. Quoique après, avec un cérébro, tu peux contrôler plusieurs personnes apparemment, donc ça peut être assez utile si tu contrôles un groupe de personnes. Mais leur truc, c'est aller à gauche, aller à droite, sauter et pousser, donc c'est pas terrible, terrible. Ça fait bizarre de jouer avec quelqu'un d'autre. Ah merde! Ah, je vois, je vois. Je vois. Ah non, je vois pas. Est-ce que je peux prendre cette caisse là? Non. Ok. Ah, il y a un deuxième casque. Qu'est-ce qui se passe si je rentre dedans?
Ouah, ça devient compliqué, je me serrais, bro. Ah ouais! Ah non! Ah ouais! Alors là, c'est du puzzle rafraîchissant et intéressant, bordel. C'est comme Inception, on peut se cérébrer la gueule à intervalles réguliers. Et donc les gens sont envoyés comme ça dans des caisses. Excellent, excellent. J'imagine qu'il va se passer quelque chose, non? C'est de l'eau? Ah, ça a l'air d'être de l'eau. Ah merde! Ah merde, je fais comment moi? Ah ouais, je peux tomber si je me mets bien. Peut-être là. Allez, détache-toi! Bah, détache-toi! Eh ben heureusement qu'il y avait de l'eau, moi je t'ai dit. Ah, il y a un truc qu'on dirait au sol là. C'est quoi? C'est une caisse? C'est quoi? C'est un truc à pousser? C'est juste un néon? C'est... Ah non, on peut le tirer. Ça a servi à quoi? Ah, faut peut-être que je le pousse maintenant du coup. Intelligent le psycho! Ok, un bouton qui fait baisser le niveau de l'eau. Un bouton qui relève le niveau de l'eau? Oh, je suis trop intelligent. Ah merde! C'est à quoi j'en viens, non? C'est une autre pièce? À quoi ça sert? Ok, donc à mon avis, il y a quelque chose à faire ici que j'ai pas calé. Il me faut un truc pour attraper la chaîne. Donc j'ai peut-être un truc à tirer dans le coin. Là, il y a un vélo, je peux pas le tirer. Donc attends, toi. Ou alors faut que je passe la porte avant que l'eau monte trop. Allez, allez, on court, on nage, 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 on nage. Bah non, c'est trop vite. On met au plancher. Prenez, je pas de connard, je peux au plaquer. Non, sont donnés comme un nage téléphone. Venez se noter dans la fixe.
Ok, alors là je suis paumé. Il n'y a pas de caisse, il n'y a rien. Je peux pas sortir. Il y a forcément une caisse, j'ai dû forcément rater une caisse. Si je rappuie, il se passe quoi? Ah bah ça remonte l'eau. Non, non, redescends. Y a rien en plus. C'est pas possible. Ah, ou c'est peut-être pendant que je fais descendre l'eau. Je vais essayer de faire descendre l'eau et de nager là-bas. Ça me paraît beaucoup plus logique comme ça. Comme ça, j'aurai le temps de monter sur la plateforme. Voilà, c'est comme ça, j'aurai le temps de monter sur la première plateforme. Normalement, on y va, 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 on y va. C'est serré, c'est bon, c'est ça. Bah, du coup, la chaîne, elle sert à rien, elle est induite en erreur, en fait, la chaîne. Ah, en fait, elle t'induit pas en erreur, elle va servir pour après. Ah merde! Ça va, heureusement que c'est en 3D. Stop! Voilà, et là je fais monter l'eau. Il est intelligent ce gamin quand même. Il est intelligent, il sait se battre, il connaît le parcours, c'est assez impressionnant. Petit prodige. Ouh, de la lumière. Merde, elle va jusqu'où comme ça? Ah, elle va juste là. Ah, qui est sous le poteau, je suis bien. Excellent, l'ombre bouge en fonction de la lumière, c'est assez bien fait ça de ce côté-là. Merde, la lumière revient. Oh putain! C'est très intelligent d'avoir fait ça parce que ça t'augmente le niveau de stress en fait. Et que tu dois vraiment lutter en fait. Merde. Ah non, quel con! Ah, voilà, exactement ce que je te disais. Le stress. Hey Blobby, rip, yeah, rip, big rip. Voilà, déjà je le tourne un peu mieux la vanne, donc ça va descendre un peu plus vite. Mais non, mais non, mais non! Et merde, j'ai rien fait. Allez, la prochaine fois, c'est bon. C'est bon là. Taillot! Oui! Ah, il y a un autre saut à faire. Taillot! Oui, c'est bon. Ouais. Non!
Your camera and mic are out of sync. The sound has like 2 seconds delay. Yeah, I know, I know. It's the shitty Xbox One Twitch application. Is always out sync with my mouse and my face cam. Always. And I cannot do anything. It's a crap Twitch app on Xbox. So it's not. Oh no! Wow, it's not a big deal. Oh la 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 la. And it's like that from the beginning, the really beginning. It never fixed this problem, never. Okay, wait, go. J'adore l'ambiance. L'ambiance, elle est incroyablement belle. L'ambiance est vraiment incroyablement belle. C'est pas par là. Ah non, des chiens encore. Ah putain. Ils vont pas me sentir là. Ah non, je crois que c'est bon, ils m'ont pas senti. Je sais pas trop. Ah si, ils m'ont senti. Mais ils savent pas nager de toute façon, si. Oh merde. Ah ouais, la vache, ils rigolent pas les clébards dans ce film, dans ce jeu. Il y a peut-être quelque chose sous l'eau alors. Il y a peut-être quelque chose sous l'eau. Il n'y a pas grand-chose sous l'eau. De l'autre côté peut-être. Y'a pas de zob. Y'a rien. Bon, faut peut-être que j'aille juste plus vite. Ah, plus vite, je sais pas comment je pourrais aller plus vite. Oh putain, il est déjà là. Voilà. Ils vont dans l'eau. Ah, ils vont dans l'eau aussi! Alors, je crois que je pense qu'il faut que je l'emmène dans l'eau, je le dribble dans l'eau, je ressorte et je cours. Je pense que c'est ça le bail. Il est où? Il y a là, petit Klebs. Ah, il nage qu'à la surface, voilà. Il nage qu'à la surface et il nage très doucement. Ah là, je vais pouvoir le dribbler, là. Enfin, il nage doucement, il nage doucement. Oh non, je vais jamais y arriver de l'autre côté, je vais jamais y arriver. Non. Wouh. Merde, y'en a un autre. Oh putain, y'a une meute. Oh, ça me fout des frissons, bordel de... T'es sérieux? Allez. Allez, ouvre. Ouvre. Mais il ouvre tellement lentement, tu peux pas ouvrir plus vite. Oh, ça me fout tellement des frissons, mais c'est cauchemardesque, ces putains de clébards. Allez, faut plus vite. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, ouvre, accélère, accélère. Est-ce qu'il faut tapoter X? Non, non, je pense pas. Mais c'est mort. Faut peut-être tapoter X, je vais essayer de tapoter X, ou j'en sais rien, mais... Ah, comme dans l'eau.
comme dans l'eau. J'en ouvre une et je reviens sur la grille pour ramener les chiens de l'autre côté. Allez, viens des putains de claps. Merde, merde, ils sont pas si cons que ça, faut que j'attende qu'ils soient bien à la grille. Allez, viens des les claps. Oh putain! C'est stressant as fuck! Allez! Allez! Allez, passe! Allez, c'est bon! Oui! Intelligence! Intelligence plus 10! Ouais, magnifique! Oh! Ouh, c'est passage de fou! Ah oui, ça n'a rien à voir avec Limbo, c'est Limbo x 1000, quoi, c'est... Oh, c'est incroyable, incroyable le tour de force qu'ils ont fait, c'est un putain de chef-d'œuvre qu'ils sont en train de créer. Ah merde, il y a un humain. Oh, je me vois dans le reflet. Coucou, là, 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 là. Mais je suis qu'un gamin! Sérieux? Pardon. Ah d'accord. Ah, faut peut-être juste attendre. Faut peut-être juste attendre. Je vais attendre tranquillement dans l'ombre là. C'est quoi ces nazis qui capturent même pas quoi, c'est direct mort. Je vais prendre le sous-marin. Yeah! Yellow submarine, yellow submarine. Na 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 na, yellow submarine. Alors par où il faut aller? Putain, c'est profond. Il tisse très profond. Hein. Heureusement que je suis un sous-marin, tu me diras. Ah, une porte. Comment j'ouvre la porte? Je pousse? Ouais, je pousse. Je défonce? Non, je défonce pas. D'accord. C'est quoi ça? Quand je fais A, ça fait... Ah d'accord, ah, ok, d'accord, je peux charger un... Ok. Ok, d'accord. Bon bah c'est ce que je vais faire. Wow, terrible la transition. On est dans l'immensité de 20 milieux sous les mers. Allons-nous rencontrer une baleine? Oui, ici Nicolas Hulot. En direct de... Inside, c'est très profond. Inside me. À chaque fois que j'entends inside, je pense à cette énorme phrase philosophique d'un très grand philosophe dont le nom m'échappe, qui s'est exprimé un jour et qui a dit inside me, et c'est tout. Mur, mur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'aime beaucoup, beaucoup tous les petits détritus là qu'on voit dans dans l'eau. On voit qu'elle est très poussiéreuse, quoi. Ah, il va falloir plusieurs coups, je crois. Thank you.
Et dis donc. Plus bas, je pense. Et non, sérieux? Encore? Putain, mais faut faire une fissure anale de combien là? À part ici, je vois plus où trop. Non? Bon, bah là alors. Ah, peut-être en haut là, peut-être il manque un petit crack ici. Voilà, là, bah là, je peux là. D'accord. Peut-être encore il reste un petit crack là-haut. Ok. Là, c'est bon, là, tout le mur est craqué là. D'accord. Wouhou, je suis flipper. Mais à quoi ça sert ça? À quoi ça sert de claquer le mur là? Y a bien une raison. Ok. Et là-haut, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sortir du... Ah, je peux sortir. Ah, mais bon, il y a un mur, et ça me sert à rien. Ah, ok! J'ai fissuré le mur, je sors du sous-marin pour passer sans le sous-marin. Ok. Moi, je sais pas monter une corde comme ça. On est où là? Sur un bâtiment détruit? Ça se passe comment? Ça va vider l'eau? Fallait pas sauter, fallait juste se laisser tomber. Ok. Putain, je me suis fait encrépé contre le mur. Je suis devenu un crépi. Oh, c'est juste, c'est juste. Oh, c'est juste. Oh, view, c'est juste quand même, lâche. Thank you, Blobby. Have a nice day, too. C'est quoi ça? C'est une bombe? Putain, c'est une bombe. Ah merde, j'aurais dû rester dessus! Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Ok, ça sert à quoi je viens ici? Yola! Yolé! Ouais, bien joué. C'est bizarre, tout est de travers. Ah, un sous-marin. Ah, je suis revenu là, c'est ok, c'est mon pote le sous-marin. Je suis revenu à cet endroit-là, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi? Oh la vache! C'était quoi le truc dans l'eau là? Ouais, je l'avais même pas vu ça. Là, il y a un bouton. Pour vider l'eau. Ouais, c'est ça, c'est pour vider l'eau. Mais à quoi ça sert de vider l'eau? Parce qu'il n'y a rien d'autre là. Ah mais merde, je peux plus passer. Ah merde, faut que j'aille en bas. Ah ça va, c'est juste une petite truc et puis je pense que je... Ah non, je peux pas remonter. Merde, j'ai pas d'air. J'ai pas d'air. Ah bah non, il me faut encore mon sous-marin. Il me faut encore mon sous-marin.